Eh bien, c'est tout le monde, c'est Gleska, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Tormenté Soul. Bon, du coup, Malset, comment est-ce qu'on va faire? On sait très bien qu'il y a des ennemis qui nous attendent derrière. Est-ce que je les a... Est-ce que... On va tenter de les tuer pour voir. Je garantis rien, hein. Oh merde! Oh, ça commence bien, dis donc. Ouais, ça commence mal. Très très mal. Il était juste à côté, putain. Par contre, il y a... Ouais, je suis toujours en attention. Bon, c'est pas grave, on va prendre... notre flingue. On va bien s'éloigner. Salut! What? Quoi? Sérieux? Vous êtes mort. Oui, ça, on avait remarqué que j'étais mort. Vous êtes sérieux? En plus, on retourne au menu principal carrément, même pas de... Bon! Bon, on va pas les attaquer, hein. On va pas perdre notre temps, en vrai. Regardez, là, il va se téléporter. C'est ma gueule, ça va? Allez, au revoir. Oh merde, y'en a un ici. Il est où? Il est mort? Non, il est pas mort. Ta gueule est meurt. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, nous avons un help sur une radiographie. Nous avons des munitions. Et nous avons des livres médicaux bien et bien utiles. Alors, qu'est-ce que ça dit sur le livre? Parce que je sens qu'on va devoir lire beaucoup. Tandis que je suivais mon père en silence, l'horloge sonna à 1h30 du matin. Je l'ai vu pénétrer dans le mausolée. Après avoir placé trois éléments sur une sorte de panneau. Ok, il est entré sans rien dire. Je l'ai suivi de loin en essayant de ne pas faire de bruit car je ne voulais pas qu'il me voie. Devant la tombe de mère, mon père s'est agenouillé et a posé ses mains sur la froide statue en marbre de sa femme, puis a commencé à prier. Je me suis senti coupable de l'avoir suivi. Voir l'homme froid et calculateur ainsi m'a ému. Il était sur le point de partir quand père s'est relevé pour s'approcher de la statue d'ange. La tombe en marbre de mer et s'est lentement déplacée sur le côté, dévoilant un escalier étroit s'enfonçant vers les ténèbres. Il a descendu l'escalier, j'hésitais à un certain moment, mes jambes refusant de bouger, mais finalement je lui empruntais le pas. Une fois à l'intérieur, j'ai entendu des bruits métalliques et l'écho d'une source d'eau. Quelques instants plus tard, je me suis cogné contre une échelle. Je l'ai descendu et je me suis retrouvé dans un long tunnel de pierre recouvert de tuyaux et rempli d'eau usée. J'ai aperçu la silhouette de père bifurquée au bout d'un couloir et je me suis dépêché de le suivre. Mon père a lui-même mis une de ses tenues dérangeantes dans ma stupeur effrayée et j'ai fait tomber une brique du mur et s'est écrasée par terre avec le bruit d'un millier d'immeubles s'effondrant en même temps. Eh ben dis donc! J'ai senti leurs yeux braqués vers moi tandis que je revenais sur mes pas en courant, leur voix gutturale hurlant de m'attraper et leur lourd marteau retentissant violemment contre le sol. Eh ben et donc, c'est joyeux! Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici? À part récupérer de la drogue, y'a rien, on peut interagir avec que dalle. C'est bien rangé! Ah, la deuxième partie du cœur. Merde, fallait le mettre où? Ah oui, sur le patient. Alors, merde. Non, 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 je veux pas... Je veux combiner. Voilà. Alors, je suppose qu'il faut que je retourne à l'infirmerie, du coup. J'ai déjà me heal. Voilà. Peut-être recharger aussi. All style baby.
Bon, enfin, si on n'a plus rien à faire ici, on va courir. Salut ma gueule, ça va? Pas bien dangereux cet ennemi, dis donc. Et t'es où l'infirmerie encore? C'était à gauche? T'étais ici, hein? Ouais, le truc du cœur, non? Ah non, c'était la maternité. J'avais été dans la maternité? Enfin, ça fait à peine. Ouais, ouais, c'est bien ici. Bonjour madame. Alors si vous voulez, j'ai un cœur tout neuf pour vous. Ça ne rentre pas? Comment ça, ça ne rentre pas? Comment ça, ça ne rentre pas? J'essaye tout, écoutez. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on pouvait descendre. Merde, elle est où la trappe? Elle était ici, hein? Ok. Bon, on va prendre l'arme, on va descendre. C'est quand même dommage qu'on ne peut pas viser et marcher en même temps. Je sais que ça fait All Style Resident Evil, mais... je sais pas, l'All Style, ça va être du bon à une époque, mais... Ah, oulala, qu'est-ce que c'est que... Attendez, what? D'où le miroir. Il y a quelque chose qui brillait ici. Plusieurs mannequins recouverts de draps. Plusieurs mannequins recouverts de draps. Il faut que j'interagisse avec ce bidule, c'est ça? Ah! Je suppose que le cadenas marchera pas. Et surtout, je dois interagir avec... Ah, non, d'accord. Pourquoi c'est... C'est stressant d'un coup. Oh putain! Ok, alors, je suis absolument pas d'accord de ce que tu viens de faire, meuf. Je tiens à te le signaler, en général, on ne rentre pas dans ce genre de truc. Après avoir vu un truc aussi immonde. Maintenant, peut-être que je peux mettre le cœur dans la maternité. Ah, putain. C'est quoi? Eh hey, merde, j'ai loupé. Punaise. J'espère que les ennemis ne leur pop pas en mode YOLO Gnado. Oh putain, c'est quoi ce bidule? Ouh là là, attendez, je perds ma santé mentale quand je fais ça. Laissez-moi deviner, c'est maintenant que je vais mettre le cœur. Ouais, ok. Bah oui, pendant un bref instant, moi aussi j'ai cru qu'elle était en vie. Coupé. Est-ce que cette porte est pénétrable? On ne peut pas l'ouvrir. Ok, donc il fallait juste venir ici pour résoudre l'énigme, c'est ça? Ah, apparemment non. Vous pensez que ça marche là-dessus?
Ah, ne bouge, ça... je dois pouvoir forcer l'ouverture. Bon, on va redescendre. On va activer le bidule truc. Ok. Bon, plus besoin de ça. Hop. Allez. C'est dommage qu'ils ont pas mis un effet un petit peu. Voilà, les hackers. Ah putain. Give me. Ok. Alors, j'ai une question. À quoi sert ce bidule? Ok. J'adore arriver ici. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit de ces morts? Oh putain ça. Oh non, ça va pas. Eh non, ça va pas, putain! Mais quoi? C'était quoi ça? Putain, je vais mourir, j'ai pas de quoi sauvegarder, quoi. Vous avez vu la portée de son truc? Ah non, d'accord, c'est pas pour ici. Merde! Où est-ce qu'on doit utiliser ce machin? Oh. Je peux pas sauvegarder! Oh là là, qu'est-ce que je vais faire là? Ouais, je sais pas où je dois aller là. Vous allez pas me dire que c'était pour la... Et putain, si je meurs, je dois tout recommencer. Oh, d'accord, le corps a disparu. Elle a disparu! On avait remarqué qu'elle a disparu. Elle est passée où, cette conne? Alors moi, je sais que je ne dois pas aller... Faut avoir un truc de sauvegarde, le jeu, s'il te plaît. Sois un bon jeu et permets-moi de sauvegarder. Peut-être ici? Non, ok. Bon, bah, ça a pas l'air d'être ici. C'est pas ça que j'ai plus aucun soin, hein. Récupérer le cœur ou pas? Ok, donc c'est clairement pas ici. Donc on va remonter! Moi c'est bien parce que quand on meurt, on va connaître tellement le jeu par cœur que. La question c'est de savoir où est-ce que la meuf a gueulé en fait. Parce que je me doute qu'on doit la retrouver maintenant. On sait qu'on ne doit pas aller au fond du couloir. Donc c'est ici qu'elle. Donc je peux pas aller dans ce bâtiment, dans cet endroit-là. Donc c'est dans la logique, je dois redescendre. Et si c'est pas ici, ça voudrait dire que ce serait dans la zone de départ. Par contre, t'avises pas d'avoir fait popper des ennemis dans le sous-sol, s'il te plaît, le jeu. Non, c'est toujours pas ici, je suppose. Ouais, toujours bien dégueulasse, lui. Est-ce que j'ai loupé quelque chose quelque part? Non.
Là-bas, c'était la porte fermée, on est d'accord. Ok, donc on peut pas faire grand-chose. Qu'est-ce que j'ai loupé? Attends que ce soit ça le générateur. Et du coup, ça nous laisse plus beaucoup d'options, quoi. Non. Je vais voir le père. Jamais, hein. Peut-être que je donne des indices sur ce genre de choses. Il peut pas me faire une petite picouse en mode tiens, prends ta dose. Combinaison anti-radiation. Mon père. You may find what you're looking for. How can I find? It's on the second floor of the east wing. Take the stairs in the main hall. Thank you. Ok. Donc à mon avis c'était clairement pas ici, je vais vraiment retourner sur mes pas. Je peux prendre le chapeau. Ah, c'est pour ça que je suis vraiment plus fan du système de sauvegarde à la Resident Evil. Hein. C'était bien à l'époque, ça rajoutait de la pression, mais... Est-ce qu'on a encore franchement envie d'avoir ça en 2021? C'est ça la question. Limite ils auraient dû offrir l'option. Old style ou new style, hein, tout simplement. Donc du coup, on est d'accord que je dois monter au premier étage. Le problème, c'est qu'au premier étage, la porte est fermée, donc je dois trouver un moyen. Et il avait dit la salle d'attente, si j'ai bien compris. Donc je vais forcément mourir. Parce que je n'ai plus de soins. Ah oui d'accord, je vois ce que c'est. D'accord, c'était ça. Et hop, salut. J'avais oublié qu'il y avait ça. Resident Evil. Oh, ils ont... Oh. Non, ça va, ils ont pas mis le coup de... Ah, ben oui! Faut un truc pour sortir. J'avoue, j'aurais pas été serein, moi, ici, hein. Bonjour, je voudrais passer un appel téléphonique. Bon, est-ce qu'il y a un point de sauvegarde? Est-ce que les développeurs ont été assez sympas pour mettre un point de sauvegarde quelque part? Et là, en fait, c'est le... il y a qu'un seul point de sauvegarde dans tout le jeu. Oh putain, on peut descendre aussi, c'est sérieux. Oulalalalalalala, hop. Avant qu'elle perde sa santé mentale. Oh mon dieu, il y a combien de portes dans cette zone? Oh mon dieu! Oh là là. Oui, je m'en doute que c'est bien fermé. Essayons de voir ce qui est ouvrable et pas ouvrable. T'as fermé de l'autre côté. C'est bien, au moins je devrais pas me faire chier en bas. Alors ici. Une chapelle. S'il y a des monstres dans la chapelle, je vais pas être heureux. Il y a des monstres dans la chapelle. Ah, il y a un Rubik's Cube. Et ma gueule, ça va? Ouais, ils sont trop nombreux, je peux peut-être pas venir ici, moi. Ouah! J'ai vu le crash arriver, là, 10 km. J'ai aucun soin, je peux rien faire, là. Je peux monter, limite. Bonjour, madame. Vous voulez mon cadenas, madame?
Ça ne rentre pas. Mais en même temps, dis-moi est-ce que ça peut rentrer, parce que là, il n'y a aucune cavité, hein. Eh, mon dieu. C'est bien, il y a plein de portes fermées de l'autre côté. Je voudrais juste une petite seringue. Je peux me piquer, s'il vous plaît? D'ailleurs, je suis curieux. Option. Ah ouais, ils ont vraiment pas mis de difficulté. C'est genre... T'es un noob dans ce genre de jeu, c'est pas grave, tu vas galérer. Salle de réunion. Ah mon dieu, incroyable. Une zone où il n'y a pas d'ennemis. Un calendrier. 1994. Nous sommes donc techniquement le 16. Emplacement pour cassette, ok, faut que je trouve la cassette du coup. Mais je voudrais des soins là parce que j'ai tout grillé inutilement. Ah merci. Ah, ok, on peut pas passer par ça. Voilà, c'est Jason. C'est Michael Myers que je viens de voir là. Non, ça va. J'ai eu peur. Alors, nous avons ça ici, ok. C'est pas trouvable? Effectivement. Couloir du premier étage. Ouh là là. C'est quoi ce bruit de ces morts? Voilà, là, ça passe quoi là? Cette armure paraît presque vivante. Oui, elle a l'air très vivante même. J'ai pas de disque. J'ai de la picouse. Ah mais je peux pas. Ah merde, tant qu'il fait noir, je peux pas. Je tente pas le diable avec les épées, hein. C'est pour finir tuer... Oh là là, c'est à 6 paires dans là par contre, hein. Vraiment, c'est qu'une porte est ouvrable en haut. Il nous reste techniquement... une porte en bas à vérifier. Peut-être même deux, hein, je sais pas. Non, il y avait pas ici. Pourquoi il y a... la porte là-bas qui était au fond. Allez, fais un peu de l'autre côté. Ah, mais ça le mérite d'être clair. Allez, c'est l'heure de la bastong. Même pas j'attaque les ennemis qui crachent à distance sans se flinguer. Hein. On va juste la jouer safe. Ok, je peux pas le viser actuellement. Ah, il est pas mort? Je sais qu'il y en a un deuxième. J'adore comment en français il est marqué Equipod. Non, tu vas pas de me faire gaspiller un truc là. Voilà. C'est quoi ce gros machin là, tout pété là? Ah. Ah, Jésus, il est tout cassé. Rassurez-moi, je vais pas leur coller avec de la super glue, hein. On aurait l'air un peu con. Bon, ça va, ça se passe bien pour l'instant. On gère, on maîtrise. Ah, j'ai pas de thunes. Ça veut dire qu'il y a un truc dans ce machin à utiliser. Quelqu'un a pas fait la vaisselle, hein. Pas d'ennemis dans la cuisine, s'il vous plaît.
Il va y avoir un bon bourbon là, ici, là. Là, juste là. Il y a quelque chose là-dedans, tous les coups. Ah. Et apparemment, c'est glacial. Ok, donc ça veut dire qu'il y a un je dois mettre un truc. Do not you won't leave this place. Oh oui, yes. Tu ne quitteras jamais cet endroit. On s'en avait remarqué. Par contre, pourquoi ce film... Toujours décembre, 16, un autre... Ah! Des os humains. Mais que se passe-t-il ici? Comme tu peux le remarquer, mal. Ah, mais que c'est beau, dis donc. Ah, mais quand t'as faim, hein, j'ai envie de te dire. Hein, tu prends tout ce que tu prends, hein. En fait, c'est là que le jeu commence. C'est limite maintenant que le jeu commence, en fait. Oh! Ah, c'est toi, mon gros! Comment vas-tu? Un, deux... Oh non, 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 on recherche pas maintenant! Connasse! Ta 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 ta. Wing. Wing. Ah, une bouteille d'acide pouvant lentement corroder le métal. C'est bien mignon, mais je sais même pas ce que je dois corroder en fait, donc. Ah, un PC sec marqué, veuillez insérer. Insérer la disquette pour inscrire un nouveau mot de passe, ok. Bon, bah ça c'est mort. Fait chier quoi là. C'est pas simple hein. Porte déverrouillée. On est de retour. Chapelle. Ok. C'est grave relou là. Si j'entends un bruit dégueulasse quelque part. Dis-moi que le placard c'est une zone de sauvegarde, please. Je m'en fous des munes, je veux sauvegarder le jeu. Ok, donc ça c'est pour brancher une batterie. Donne-moi la possibilité de sauvegarder, c'est tout ce que je te demande. Oups! A pas été en haut. Le studio! Ah! Bruit de sauvegarde! Oui! Et là, ils ont mis un ennemi juste pour faire chier avec lui, hein. Tu n'aurais pas dû venir ici. Ouais, je m'en doute. Alors, une radiographie montrant un cœur. Cette silhouette m'est familière. Ok. Bon, c'est bien mignon, mais il est où le truc de sauvegarde? Et je te jure, le jeu, si tu m'as envoyé dans un truc de sauvegarde pour au final me dire qu'il n'y a rien pour sauvegarder dedans, je vais pas être content, hein. Ah! Je peux respirer, c'est... Oh, des balles de fusil à pompe. Cool. Ça veut dire qu'il y a un pompe dans le coin. Alors, est-ce que tu vas être sympa? Allez, fais un petit dialogue, non?
Ok, t'as vraiment plus rien à foutre de raconter ta vie maintenant. Pourquoi pas? Je suis en train de me perdre, c'est un truc de fou là. Wow, le jeu, Je suis où? Ouais. Vous ne me tuez pas les... Ah! C'est bien parce que dans tous les cas, je suis baisé là. Je ne peux pas passer parce que si jamais j'essaie de passer, il va forcément me taper. Oh non, je suis pas d'accord là. Ok, donc il y a un gros connard qui fait sa ronde là. Cette porte là, y'a quoi? C'est fermé depuis l'autre côté. Merci le jeu, merci. Pourquoi j'ai lancé ce let's play, sérieusement? Ah, on peut mettre ça, c'est cool. Attends, je tiens de me troller. Ah, il m'a pas trollé, en effet. Viens ma grosse. Oh incroyable, un ennemi qui s'est monté des escaliers les gens. Incroyable. Allez salut, hop, ça. Non putain, ça a pas marché. T'es à moi maintenant. Excusez-moi, il me faut mon focus. Oui, je sais, c'est con, mais c'est une technique qui a toujours marché, donc... C'est une technique qui a fait ses preuves, hein, dans les jeux vidéo, en général, hein. Alors... J'étais assise sur une colline, sur un grand arbre feuillu. Combien de temps ai-je passé là-bas? Je pouvais sentir l'herbe et entendre le bruit des feuilles dansant dans le vent au-dessus de ma tête. Des petites silhouettes informes se balançaient doucement sur ma robe blanche. Je pouvais entendre une voix dans le lointain, apportée par le vent. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait, je n'y faisais pas vraiment attention. Un serpent a rampé jusqu'à moi, caché dans l'herbe. Il ne m'a pas laissé le temps de me relever, s'enroulant immédiatement autour de mon pied et grimpant le long de ma jambe. J'essayais de crier, mais le serpent avait déjà plongé ses crocs dans ma chair. J'ai senti une vive sensation de brûlure tandis que le poison se répandait dans mon corps. J'ai grimacé de douleur et laissé le serpent s'enfuir perdu dans l'herbe. La douleur ne faisait qu'empirer, les voix qui n'étaient jusqu'alors que des murmures dans le vent se sont faites plus claires. Leurs bruits sont devenus des syllabes, puis les syllabes sont devenues des mots. La douleur s'est intensifiée, le soleil qui brillant pourtant chaudement, est devenu froid, entouré d'un halo métallique. Les mots sont devenus des gens tout autour de moi, l'un d'entre eux tenait ma main dans la sienne. Pousse Maria, pousse! Oula! Ah, alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On va quand même explorer vite fait. Bon, le problème, c'est qu'on va devoir se retaper le combat après. Parce que oui, on a droit qu'à des sauvegardes, donc... Bon, au moins, il y a toujours ça. Ah, ça va être casse-cou de devoir retaper le combat en vrai. Ah, du coup, ça va déverrouiller la zone, non? Effectivement. De retour. C'est bizarre parce que je m'attendais presque à ce qu'il y ait un truc ici. Un truc de sauvegarde. Mais je vois qu'il y a une porte là. Attendez. Ah, en fait ça sert à rien que je continue en vrai là. Mais je vais quand même explorer rapidos.
Ok, donc faut que je trouve le moyen de... Ah bah j'ai toujours pas le système qui permet d'ouvrir ce genre de porte, donc... Ah, faut s'en taper le combat, quoi. Il y avait quoi ici? Ouais. Je rêve pas, il y a un truc qui brille, là. Faut appeler l'ascenseur? Ouais. Les boutons de l'ascenseur est cassé, je ne pourrais pas l'appeler. Bon, bah du coup, au final... Putain, le jeu est vraiment radin, hein. Parce que dans Resident Evil, parfois on en trouvait dans d'autres pièces, et là j'ai l'impression que tu les trouves que dans les pièces de sauvegarde, quoi. Vas-y! Je m'en fous qu'il te faut une bande enregistreuse! Enregistre quand même! Bref, on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode. Allez, sur ce, Youlou, prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la attitude, comme déjà beaucoup. Vous que ça chanson, vous que c'est direct sous ce dicton, je vous laisse, je fais le plein pour tout partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous ciao bye, bouti bouti, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pissus!